je m'appelle Alina Burlu, je suis actuellement en classe de terminale spécialité art plastique qui comporte 6 heures par semaine et option art plastique qui comporte 2 heures par semaine. Je fais l'option art plastique depuis la seconde. C'est une spécialité qui me permet de déboucher sur les métiers de l'audiovisuel, des arts de la scène et du théâtre, et aussi au métier de l'architecture et au métier des professeurs. Donc dans la spécialité art plastique, c'est pas une spécialité où on apprend à dessiner, c'est une spécialité qui mélange l'histoire, la géographie, la politique, les sciences et surtout la culture générale et la culture personnelle d'un élève. Bonjour, je m'appelle Léa Lessage, je suis en terminale avec la spécialité et l'option art plastique. Donc déjà, il faut être très curieux car c'est une matière qui demande beaucoup d'investissement. Il faut aussi être rigoureux car vous avez un cahier à nourrir toute l'année avec des informations diverses et variées, notamment sur votre démarche, votre façon de penser et aussi sur beaucoup d'artistes et des informations artistiques et culturelles. Ce cahier va être noté tout au long de l'année et vous servira pour entrer dans des écoles lors des entretiens. Et donc j'ai choisi cette spécialité pour m'orienter vers les Beaux-Arts de Paris et m'orienter après vers les métiers de l'édition et du scénarisme. Je souhaite faire une licence d'art plastique par la suite, après mon lycée, pour pouvoir ensuite partir dans le domaine de l'éducation en devenant professeur d'art plastique. Bonjour, Hélène Martin, les arts plastiques au lycée en spécialité, c'est la possibilité d'avoir des débouchés très très larges, scientifiques, sociologiques, artistiques, littéraires, philosophiques, avec des carrières qui peuvent aller du design de mode à l'archéologie, aux sciences de l'ingénieur, au paysagisme, à l'architecture, etc. Ce sont 6 heures par semaine en spécialité en terminale et 4 heures par semaine en spécialité en première, avec un coefficient de 16 pour le baccalauréat et 2 épreuves, une orale et une écrite. Tous les profils sont acceptés à partir du moment où on a une volonté de culture et ce qu'on étudie va du dessin au numérique en passant par la photographie, la performance et la sculpture.